Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Cash Collector. On se retrouve aujourd'hui car Funko a annoncé la sortie d'une nouvelle vague de figurines Funko Pop WWE. Sachez que la sortie de ces pop variera entre février et mars 2020. On va commencer avec la figurine de Min Jin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Min Jin était un commentateur, annonceur et intervieweur du monde du catch depuis les années 70 jusqu'à la fin des années 90. Il est malheureusement décédé le 2 janvier 2019 à l'âge de 76 ans. Nous aurons aussi droit à une pop du Miz, que vous connaissez sans doute déjà, ainsi qu'une pop de John Cena, que l'on ne présente plus non plus. Ces trois pops seront disponibles pour le mois de février 2020. On continue ensuite avec deux figurines qui auront leur version Chase. Pour rappel, la version Chase est une version exclusive d'un personnage dont vous avez une chance sur 6 de l'obtenir lors de votre commande. La première de ces deux pops est la pop de Naomi, avec pour particularité sa version Chase qui sera Glow in the Dark, qui signifie que la pop sera phosphorescente. La seconde sera une pop de Diesel avec sa variante Chase qui sera une variante NWO. Les pops de Naomi et Diesel sont elles aussi annoncées pour février 2020. Sachez que vous pouvez déjà précommander l'ensemble de ces pops sur le site popinabox.fr. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et pour clôturer cette vidéo, je vous ai gardé le clou du spectacle. On l'attendait tous. C'est bien entendu la pop du Fiend qui sera en plus une exclusivité Amazon et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Cette exclusivité ne sera pas la seule, car il y aura aussi une exclue Walmart qui concernera cette fois-ci une nouvelle pop d'Hulk Hogan déchirant son t-shirt. La pop du Fiend est annoncée pour mars 2020, mais on ne connaît pas encore la date pour celle d'Hulk Hogan. Si vous souhaitez précommander dès maintenant ces exclusivités, n'hésitez pas à vous rendre sur le site PokéBasement. Les tarifs sont un peu plus élevés, mais vous aurez la garantie d'avoir les bons stickers sur les boîtes et également un envoi très très soigné. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt !